C'est quoi être Libanais? Une question très simple, mais sans réponse évidente. J'appartiens à cette génération d'après-guerre. À un Liban qui a soif de revivre et qui s'enivre d'amnésie. À l'école, les livres d'histoire s'arrêtent en 1948. Que s'est-il passé depuis? La peur. Une peur de l'autre et des illusions d'appartenance à des Libans si petits qu'ils risquent de disparaître. C'est dans ce lieu de mémoire que j'ai voulu installer mes peintures, comme une forêt qui renaît de ses cendres. Le cèdre, non comme un symbole idéalisé d'un Liban révolu, un cèdre qui n'est pas loin. Il suffit de regarder en soi pour le trouver. Notre père, notre tronc commun est la source de notre identité.